Bonjour à tous, on fait une petite vidéo avec les coachs et les entraîneurs pour vous annoncer que officiellement la fédération a mis un terme à la saison de hand pour les amateurs. Donc ce qui veut dire que les compétitions sont terminées. Donc ce qui fait que le groupe 1 termine à la troisième place du championnat de départemental 1 et le groupe 2 termine à la cinquième place de la D3. Donc c'est un très, très bon résultat pour les deux équipes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce confinement, mais nous on a très hâte de reprendre les entraînements dès que possible. Et donc on va préparer tout ça au mieux. Donc voilà, c'était pour vous annoncer ça. Maintenant, je passe la balle à mes amis et collègues entraîneurs et coachs. Alors les gars, premièrement, vous nous manquez beaucoup là. Ça aurait été cool de pouvoir continuer à jouer tous ensemble au hand, la grande passion. On voulait vous remercier pour la super année qu'on a passée. C'était notre première expérience de coach et d'entraîneur en même temps, et on a été avec des enfants super motivés qui avaient toujours la gagne en eux, et on vous a vu progresser à vitesse grand V. Alors félicitations pour l'équipe A qui a fini en D1 et l'équipe D qui a fini en D3. Et comme dirait Manuel, vamos et à bientôt. Alors bravo la passe Marc, hein, pour un coach c'est pas très sérieux, hein. Bon les gars, pas de chance, l'année est malheureusement terminée. Mais encore bravo à tous, vous avez vraiment fait une super année. Hein. Pour l'équipe 1, division 1, super. Équipe 2, division 3, ça aussi c'est super bien. Hein. Faut voir que pour l'équipe 2, hein, c'était votre première année de hand en moins de 10. Hein. Donc terminer en division 3, c'est vraiment un super résultat avec des grosses équipes comme le HBC, la SPTT, qui est vraiment au top. Hein. Il a vraiment fait une super progression tout au long de l'année. Alors c'était un petit peu plus dur après quand on était en D3, hein, mais vous n'avez rien lâché, donc ça c'était vraiment super important. Et vraiment la motivation que vous nous avez montrée, il faut la garder, vous l'emmenez avec vous pour l'année prochaine, et vraiment vous allez voir, ça va être top. Bravo les gars, super, vous avez fait une très belle année. Pendant les entraînements vous avez été sérieux, et pendant les matchs vous n'avez rien lâché, vous êtes battu jusqu'au bout, et ça a payé parce que vous faites de très très bons résultats. J'espère qu'on pourra continuer à s'entraîner d'ici cet été. N'hésitez pas à continuer à jouer avec la balle et on remet ça l'année prochaine. Au revoir. Hey, salut les gars. Bravo en tout cas pour cette saison. Vous avez été fantastique, vous avez progressé énormément. Si vous pouviez vous revoir en septembre l'année dernière et maintenant, vous verriez à quel point vous avez fait des progrès énormes. Le coq, je vous donne rendez-vous dès que possible pour reprendre soit l'entraînement, soit, soit l'année prochaine pour en moins de 12 ou en moins de 10 pour ceux qui resteront en moins de 10. Allez, à bientôt. Salut.